Déclaration des journalistes de Kinshasa sur la situation préoccupante du journaliste Patrick Lokala. Nous, journalistes de Kinshasa, informons l'opinion tant nationale qu'internationale que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté lundi 7 octobre 2024 de manière brutale, inadmissible, associée aux actes des tortures physiques et morales. Objet de filature depuis plusieurs jours par les services de sécurité, le journaliste, chroniqueur politique, père de famille et responsable du média en ligne Télénews RDC s'est vu arrêté avec une brutalité injustifiée par des agents du parquet qui ont violenté son épouse, saccagé son domicile et jeté des bombes lacrymogènes devant sa femme et ses enfants. Au lieu de se limiter là, ces agents de services de sécurité, porteurs d'une mission bien établie par les bourreaux de la presse, ont filmé toutes les scènes dans l'unique objectif de plaire aux commanditaires de la dite arrestation. Avec la dernière énergie, les journalistes de Kinshasa réprouvent cette grave dérive et vilaine pratique qui porte atteinte à la démocratie et foule aux pieds la récente loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Arrêté pourtant aux environs de 11 heures, c'est finalement autour de 16 heures que le journaliste a été vu par les magistrats instructeurs de son dossier après l'avoir ballotté. Tout en regrettant la manière barbare dont le confrère a été appréhendé, les journalistes constatent que les engagements publics pris par le ministre de la Justice Constant Mutamba interdisant toute arrestation arbitraire des journalistes, ont été bafoués. Ceci renforce avec véhémence les déclarations du magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant que notre justice est bel et bien malade. Les journalistes de Kinshasa exigent, sans autre forme de procès, l'arrestation de ces agents du parquet qui ont délibérément humilié Patrick Lokala en agissant comme des brigands, ternissant davantage l'image de cette justice. Les journalistes de Kinshasa sont sidérés d'apprendre que le calvaire de notre confrère Patrick Lokala fait suite à une plainte d'un autre confrère, Cieux Christian Lusakweno, qui l'a récemment confirmé et ne l'a jusqu'à ce jour pas retiré malgré nombreuses sollicitations de la corporation. Comparaissant devant les magistrats sur la plainte de Cieux Lusakweno dans le dossier inscrit sous RMP 452-83, un acte visiblement gravissime au regard des us et coutumes de la profession, le journaliste de Kinshasa invite l'UNPC à plus d'engagement, de détermination et des actions concrètes afin d'obtenir la libération immédiate de notre confrère Patrick Lokala. Par conséquent, les journalistes de Kinshasa exigent la radiation du confrère Christian Lusakweno, directeur général de Top Congo FM, conformément au code éthique et de la déontologie de la profession de journaliste en son article 14, qui recommande aux journalistes d'être solidaires de ses confrères et de se plier à toute directive prise par les instances de l'Union. Cette disposition oblige aux journalistes de recourir aux instances de l'Union pour régler tout différend entre confrères plutôt que de saisir les juridictions de droit commun. En outre, les journalistes de Kinshasa informent l'opinion sur le fait que certains puissants de l'appareil judiciaire ont formé un bloc contre Patrick Lokala dans la seule intention de le faire taire. Rappelons que cette arrestation
viole délibérément les articles 104 et 112 de l'ordonnance-loi du 13 mars 2023 portant l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, dite loi Muyaya. Les journalistes de Kinshasa annoncent le début imminent des grandes actions de terrain jusqu'à la libération de notre confrère Patrick Lokala. Fête à Kinshasa le 9 octobre 2024. Les signataires. Merci.